Des opportunités avec le Maroc. Les échanges ne manquent pas dans cette modernisation à la chinoise avec le Maroc. Le Maroc et la Chine ont signé le premier plan de coopération de l'initiative La Ceinture et la Route en Afrique du Nord. Et de plus en plus d'entreprises chinoises sont venues au Maroc pour exploiter des potentiels d'investissement et ont exprimé leur souhait de s'investir au Maroc, notamment dans les domaines auxquels le Maroc attache une grande importance. Et de plus, récemment, nous avons vu une petite histoire. C'est un ingénieur chinois qui est venu au Maroc pour construire la tour Mohammed VI. Il a rencontré une hôtesse d'air marocaine dans l'avion. Et les deux se sont vite tombés amoureux l'un de l'autre et ils ont décidé de fonder une famille au Maroc. Et après s'être installé au Maroc, l'ingénieur chinois s'est vite intégré dans cette vie marocaine et il se sent très heureux. Je pense que ces expériences ne sont pas uniques. Les jeunes marocains et chinois pense toujours que le Maroc et la Chine représentent deux grandes civilisations très anciennes. Les deux civilisations s'apprécient beaucoup et s'apprennent l'une auprès de l'autre. Les jeunes souhaitent tous que un jour le développement de ces échanges pourra se multiplier et pourra bénéficier davantage à nos deux pays et à nos deux peuples. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي